Twende mu fréquentation. Allons maintenant dans la fréquentation. Moi il est kuzoyana. Fréquentation. Kuzoyana. Question réponse. Ujumbe maswali na majibu. 30 août 64. Ilihubiriwa tarehe 13 Agosti. Soir. 64 mwaka magharibi. Soir. Magharibi. Paragraphe 70. Mtajo wa 73. Gardez-les autant que possible en compagnie de chrétiens. Wa ache wazoeane kama inawezekana wakiwa wa Kristo. Warafikiane na ni wa Kristo. Gardez-les avec point point point. Wa chunge wakiwa. Si c'est une fille. Kama ni binti, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. Wa chunge na wa binti wenzake wa Kristo. Si c'est un garçon, kama ni mvulana, avec des jeunes garçons chrétiens. Pamoja na wavulana wa Kristo. Si elle est âgée pour fréquenter un garçon, kama ni msika amekuwa na miaka ya kuzoeana na kiana, veillez à ce qu'elle fréquente le genre correct de garçon. Ewe mzazi, kesha kwa gisi binti wako azoeane na kijana aliye mkristo. Anastahili. Anastahili. Autrement, découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon. Mukatishe tamaa asizoeane na kijana mwingine. Ule garçon vis-à-vis d'une fille. Ao kijana vivyo hivyo kwa binti. Si elle fréquente un incroyant, kama nazoea musio amini, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. Jikaze kumuhimiza azoeane na muamini. Et la même chose pour les garçons. Vivyo hivyo kwa kijana. Ndiyo. Bana sema nini? Bandu. Qu'est-ce qu'on dit? Kama garso wako au fie wako anishafika kumiaka zenye naweza kufika kuzoea banaume paske miaka za kuolewa ziko. Si ton garçon ou ta fille a atteint l'âge où elle peut ou il peut fréquenter, si muitiki yake azoeye benye habami, ne lui accepte pas de fréquenter ceux qui ne croient pas. Puna ukiona iko nazoea benye habami, et si tu découvres qu'il fréquente ceux qui ne croient pas, wende uko namkataza, wende uko namkataza, wende uko namkataza, wende uko namkataza, décourage-le, décourage-le. Amen, amen. Évangélisation au temps de la fête 38. Ujumbe unaitwa mahubiri ya wakati wa mwisho. Dieu veut que son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incroyants. Mungu anataka kwamba watu wake wajitenge na kutoamini na wasioamini. Tant parmi vous font l'erreur de laisser le temps en temps vos enfants jouer au petit au soir. Eti wengi miongoni mwenu wanafanya kosa kuruhusu watoto wazoane na wale ba oswal. Voyez-vous, ce n'est pas que je veuille être différent des autres, si kwamba nataka niwe tofauti na wengine, ou empêcher une espèce de fanatique, au kuwa na kundi la washupavu. Je n'ai pas cette intention. Sina hiyo nia. Mais lakini, si vous laissez un, ukiachilia moja, soyez sûr avec qui votre fille sort le soir. Uhakikishwe ya kwamba binti wako anatokaka na nani magharibi. Voyez-vous? Je mnaona? Voyez-vous? Je mnaona? Peut-être que vous l'avez élevé comme une simple petite fille pieuse à l'église. Huenda wewe ulimlea kama vile binti mdogo mtawa anaenda kanisani. Et la première chose que vous apprenez c'est qu'elle sort avec Oswald ou quelques-uns avec cela et ce soit un athée, un incrédule et sa vie finira par être ruinée et vous ne savez pas ce qu'il est. Eti ulilea kama mtoto yako muhali mzuri unakuwa kushituka iko natokana iko naanza zoea gaso mwenye haamini. Mtu mwenye haina nusu ya Mungu wala mtu mwenye hana sifa nzuri eti pe importe muda kidogo nakutana anisha muharibisha. Voyez, ensuite elle se mariera avec elle, kisha wanafikia kuoana. Et regardez alors où sont vos enfants. Sasa muone kwenye watoto wenu wamekuwa, vos petits enfants na wajukuu wenu. Bilianza ni kuzoeana. Ça commence par la fréquentation. Ba mama muniangalie. Maman, regardez-moi. Vengi yenu muliharibikaka juu ya kuzoeana na ba garçon na mungali. Nombreuses d'entre vous, vous vous étiez ruinés à cause de vous fréquenter avec les mauvais garçons. Oui, oui. Muniangalie na kila mtu angalie histoire yako. Regardez que chacun mwenye alikuharibishaka wa kwanza. Les garçons qui t'avaient abîmé pour la première fois. Mulianza kai. Quand comment vous avez commencé? Civil and Jubin Anza. Mais c'est comme ça que ça commence. Oui, oui. Vous commencez à vous fréquenter. Vous vous visitez. Kumbe iko na kuviser. Ndio. Il est en train de te viser. Akisha kujua, dès qu'il te connaît, anakutupa. Il te jette.
Tout simplement parce que tu t'es habitué à un incroyant. C'est pourquoi j'ai frappé les doigts sur l'autre. À partir de ce mois de juillet, un garçon qui couchera avec une autre fille d'ici, nous escorions et nous ne ramènerons pas. Nous avons les écritures. Fais tout ce que tu peux. Mais que tu ne tombes pas sur notre fille. Nous ne serons pas là en train d'élever l'enfant et que toi tu viens ruiner notre fille. J'ai les écritures. Oh copain. Oh copain. Copain. Combien ont été détruits par le copinage? Et les Oswalds les ont détruits. Amen, amen. Bangapi mulilendera ju mimba ilikuwa imeingia mkakuwa obligé à kwenda mais na honge mpenda mais parce que mimba iko ukakimbia kwenda. Combien ont été obligés de se marier par raccourci parce que la grossesse était là? Amen, et amen. Tu as été obligé d'aller parce que la grossesse t'a obligé d'y aller et tu ne l'aimais pas. Oh Seigneur. Mais nabile njo mnapenda tule batoto yetu bakomalie mwabili. C'est comme ça que vous voulez que nous puissions aussi élever les enfants. Mwende kule nje. Allez là dehors. Hatuta baitikia. Nous n'allons pas vous accorder cela. Et le ministère d'ici que moi j'ai élevé, qu'il m'écoute. Et s'ils vont faillir, les petits garçons m'écoutent. Grandissez, prenez la Bible et prêchez la même chose. S'ils faillissent, ce n'est pas ça l'évangile que Patrick nous avait donné. Amen, amen. Il nous avait dit que la fréquentation entre les croyants et les incroyants, non. Tu passes. Et tu ne poses même pas la question après avoir l'accompagné, c'est qui? Je ne vais même pas demander comment les enfants vont se marier si je commence à m'interférer. Tu ne poses même pas la question. Ce garçon, il est où? Il est de quelle église? Est-ce que c'est un frère ou c'est un incroyant? Maintenant, tu es là à côté de. On va la dévierger. Oui, oui. Et c'est là que tu commences à pleurer. Oh. Est-ce que tu ne voyais pas quand il arrivait chez toi? Mais si c'est incroyant, tu dois la décourager de s'habituer aux incroyants. Si il va s'habituer aux nos sœurs, okay. Ça c'est bien. Parce que quand on va frapper l'évangile ensemble, maintenant celui-là qui fréquente ta fille, elle n'est pas ici maintenant. Il n'aura pas peur. La tienne aura la peur. Mais lui, comme il n'était pas ici, il n'a pas eu quelque chose qui l'a stimulé. Comment il manquera à toucher sur ses seins? Est-ce qu'il avait reçu l'évangile qui va le faire trembler? Non, non. Il dit qu'il doit le décourager. On commence déjà le découragement vers la fréquentation. Et si tu vois mal, elle va le marier. Et maintenant tu vas voir là où tes enfants arriveront. Il n'y a plus les moyens de les sauver. Mais moi, ce garçon, il est où? Ce garçon, il est d'où? C'est une assemblée là. Qu'est-ce qu'on le prêche là-bas? Est-ce que tu le sais? Si leur pasteur, c'est un frappeur. Amen, amen. Muna haki ya kumuliza. Vous avez le droit de demander, après avoir parti, vous demandez, la fille, viens ici. Nisi lui, c'est pia. Qui? Je ne veux plus le voir ici. Point très. Et si on me donne encore l'information que tu étais avec lui, je vais te frapper. Amen, amen. La fille que tu as amenée chez moi avec des pantalons. Oh, une collègue, ceci, cela. Oh, c'est une collègue, ceci. Mon Niliona. Mais j'ai vu. Là où il y a l'amour, on ne peut pas oublier. Hein. Tu lui dis, grand garçon, si tu es un grand garçon, je ne peux pas te frapper. Mais si tu me crois comme ton père.
ne lui donne pas les vœux de mariage. Amen. Il y a des filles à l'église. Amen. Na ukikaoa, et si tu la maries, naweza pana mali sawa mzazi, je peux donner la dot comme parent, mais je ne piétinerai pas dans ces mariages. Una mwarifu mbele, tu le préviens avant. Kibifanya, parce que s'il le faisait, s'il ne te voit pas, abifanya yepeke, il le fera lui-même. Amen, amen. Fréquentation. Kuzoweyana. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Un jour, vous allez vous souvenir de moi. Est-ce qu'on t'a dit que tu vas mourir? Branham dit un vrai prédicateur. Il prêche sa prédication comme si c'était sa dernière dans la vie. Je peux ne pas avoir cette onction. Mais celui qui appartient avec Dieu. Et il a saisi une seule fois. Alléluia. Et si je mourrais, où est le problème? Mais je veux vous avoir laissé la vérité. Amen, amen. On a peine d'amener mais après mieux quand ils s'assombrent, Patrick hangé itika. Donc vous voulez que moi je reste debout et après mon départ que l'église sombre et qu'on dise que ils ont introduit les choses que Patrick n'a jamais fait. Même amen, si je mourrai. Hakuta kosaka ba wili bataba nukia kama na bambia haiko hivi. Il ne manquera pas même Nico na panda. Qui tiendra et qui dira ce n'est pas ça. Tunatoka, nous quittons. Branham anasema. Branham dit. Haya kwa bachungaji. C'est honte au pasteur. Qui ne prêche pas cette prédication. Perle revenu. Et baba sa aime kuja. Paragraphe. Mtaji wake. Niko nayo hapa. Aseme. Ile injili ya mtu kuowe. Kuaminisha. Amen. Aseme ni kuvukisha batu mupaka. Yes. Aseme na haya kwa bachungaji benye abagongake pale. Honte au pasteur qui ne frappe pas là-bas. Mdanza hapa yulu. Paragraphe 24. Mtaji wa 24. Maintenant. Sasa. Lorsqu'il est allé là-bas. Wakati alipoenda huko. Et qu'il s'est allié d'amitié avec Achab. Akaunda urafiki na Ahabu. C'est à ce moment-là qu'il a eu des ennuis. Ni pale alipataka matatizo. Or, Achab, lorsque vous acceptez le monde qui cherche à se lier d'amitié avec vous. Wakati unaendea dunia inayotaka irafikiane na wewe. Souvenez-vous tout simplement yangie suroche. Ukumbuke tu ya kwamba nyoka iko chini ya lijiwe. Lorsque vous acceptez una poetica, ces petits fumeurs de jeune homme ule kijana mfutaji, qui veut sortir avec vous la nuit, ambaye anapenda atoke na wewe usiku, vous jeunes filles, ninyi wabinti, vous filles pentecôtistes, ninyi wabinti wa pentecôte, ces petits buveurs aux cheveux assez lisses, ule mlevi kijana mwenye kuwa na nywele za kunyoroka, pour garder sa bouche ouverte. Laissez-moi vous dire une chose maintenant. Il y a quelque chose qui se prépare. Kitu kiko kinajitayarisha. Et il dit. Na anasema, je vais t'épouser ma chère. Eti, mpenzi nitakuoa. Si. Ensuite. Kisha, je vais adhérer à ton église. Nitakuwa na shiriki kwa kanisa lako. Il est en train de vous mentir. Anapo kuambia vile yuko na kudanganya. S'il vous aime. Kama nakupenda. Et qu'il aime le Seigneur. Na awa napenda Mungu. Il le fera à ce moment-là. Ataifanya kwa wakati ule. Il ne doit pas vous prendre. Hapashwi kukuoa. C'est juste. Ni kweli. Et vous les hommes. Na ninyi waume. Vous jeunes gens. Ninyi vijana. Qui restez en compagnie de ces petits Jezabel maquillés. Munao rafikiana na wale wa binti wa Jezabel wa vipodozi. C'est la même chose. Ni vivyo hivyo. Vous ne devez pas faire cela. Hamunga lipaswa fanya hiyo. Honte au pasteur. Haya kwa wachungaji. Qui ne disent pas cela dans leur église. Wasio sema maneno haya makanisani mwao. Nous sommes des gens appelés hors du monde. Sisi ni watu tulioitwa nje ya dunia. Des gens séparés. Watu waliowekwa kando. Un peuple différent. Taifa tofauti. Sanctifié pour le Seigneur.
d'Israël. Mungu wa Israël. Absolument. Bila shaka. Nous connaissons les bornes. Tunajua mipaka. Tunajua mipaka. Nous connaissons les bornes. Tunajua mipaka. Elles sont écrites juste ici. Mipaka inaandikwa hapa. De manière claire. Kwa hali ya wazi. Mais lakini, nous sommes tout simplement ballottés. Sie tunayumba yumba. Quelqu'un vient, il dit. Mutu anakuwa na kusema. Oh ceci. Oh cela. Oh, hi, oh ceci. Oh kile. Oh cela. Oh kile. Nous sommes tout simplement entraînés. Si et nous suivons carrément cela. Na tunafuata tu ile. Certainement. Bila shaka. La Bible dit que ce que le diable ferait dans les derniers jours et c'est exactement ce qu'il est tenté de faire. Biblia inasema vyenye shetani angelifanya musiku za mwisho na njo vyenye kweli iko anafanya. Sikia, écoutez. Kwa kikwambia mitenda mkanisa yenu. S'il te disait je viendrai dans votre église. Kisha ndakuoa. Et puis je vais te marier. Kama haiko na kudanganya. S'il ne te trompe pas. Atakuya. Il viendra. Mais hapashwe. Mais il ne doit pas te prendre. Amen. Akuye. Qu'il vienne. Amini. Qu'il croit. Hamutaona. Mais vous n'allez pas vous marier. Amen, sema mjumbe. Akuye. Qu'il vienne. Amini. Qu'il croit. Aole na mwingine na wewe uleoke na mwingine. Qu'il se marie ou qu'elle se marie à une autre. Kama hataki. S'il ne veut pas. Alakie kule. Qu'il reste là où il est. Amen. Eti na haya kwa wachunga. Ese honto pasteur. Wenye habambia kebibitu makanisa. Qui ne dit pas cela dans leurs églises. Mi papa tunazijua bien. Nous connaissons bien les bornes. Tinazinandikiwa kwa bien kwenye zinaishi. Et elles sont bien décrites clairement. Est-ce que vous le savez? Seulement dans le Seigneur. Seulement dans le Seigneur. Borne ya kwanza iko kule mgauche. La première borne est dans à gauche. Mulisha yua borne ya pili. Vous avez déjà su la deuxième qui borne. Qui croit exactement comme vous? Eti anaye amini sawa sawa na wewe. Borne ya pili. C'est la deuxième borne. Borne ya tatu. La troisième. Abraham était décidé à ne pas laisser son fils marier une incroyante. Abrahamu akaamua kwamba asiache kijana wake aoe mpagani. C'est la même position, la même ligne de conduite pour les enfants d'Abraham d'aujourd'hui. Eti ni ule msimamo na mstari wa uongozi wa wenye kwa uzao wa Abraham. Unapenda mimi nifike mbinguni kisha Mungu aniambie Pastor Patrick funga kinywa haukugonga kama mariage mixe wakati ulikuwa mchungaji. Funga kinywa shuka jehena. Ndajiponyola mutaponyoka. Vous voulez que moi je puisse arriver au ciel? Niko wa kukamata imani ya kujiponyoa mi peke. Amen. Wa kusikia nasikia wa kuacha naacha. Amen. Vous voulez que j'arrive au ciel et que Dieu me refuse qu'il me dise Patrick, tais-toi, tu n'avais pas prêché sur les mariages mixtes. Je dois me faire échapper seul. Et si vous ne voulez pas échapper aussi, mais j'aurais déjà prêché la vérité. Alléluia. Donc, mon décision ya kuoa, c'est-à-dire dans la décision de se marier, mon fréquentation, dans la fréquentation, c'est refusé. Kani munaziri njo bitaitikiwa. Est-ce que c'est dans les vœux que ça sera accordé? Non, non. Déjà, balisha kukataza kumu fréquenter. Maintenant, on t'a déjà interdit de la fréquenter. Wenda mu fréquenter na kumu panaziri ulisha asi déjà. Déjà, aller la fréquenter et lui donner les vœux, donc tu as déjà transgressé. Tu as déjà transgressé. Bon, sawa. Ok. Uyu musika. Cette fille. Amen. Elle ne croit pas. On a décidé. Tu décides de la marier. On a décidé de me fréquenter. Tu décides de la fréquenter. Sawa. Ok. Kisha unamwambia nitakuoa. Et puis tu lui dis, je vais te marier. Unahakikisha mbele ya Mungu devant Dieu naziri ni kuoa. Les vœux c'est le mariage. Mubiweke mukichwa. Mettez ça en tête. Naziri ni ndoa. Les vœux c'est le mariage. Kama kuko bageni balikuya. S'il y a les visiteurs qui sont venus, munivumilie hein. Patientez-moi un peu. Mina yua mulikuya. Je sais que vous êtes là. Mais musikie. Mais écoutez d'abord. Pourquoi tuitikake? Pourquoi nous n'acceptons pas? Wache bafie betu hapa. Que nous laissons nos filles. Bagasu yetu aende kule nje. Que nos garçons aillent là dehors. Nanyi kama mko na bamusika hapa. Et si vous aussi vous avez des filles. Uyo kama hatuwezi furahi baba ache baende kule nje. Sachez que nous ne pouvons pas être contents qu'on les laisse ici et qu'on part chercher d'autres dehors. Na kama mulikuya. Et si vous êtes venus. Ni jua alimuoa. C'est parce qu'on l'a marié. Bange muache hamunge likuya. Si on pourrait la laisser, vous ne viendrez pas. Amen.
Oh, il est très méchant. Est-ce que moi je serai vraiment méchant plus que Dieu?